أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناتي. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un nouveau cours de conjugaison arabe, درس في الصرف العربي عدد 19. Dans cette vidéo donc je vais poursuivre le thème sur les verbes faibles, الأفعال المعتلة. Sachant que les verbes faibles sont au fait de trois sortes. On a le verbe assimiler, le verbe concave et le verbe défectueux. Je rappelle que nous avons déjà traité le verbe assimiler et le verbe concave dans les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir le verbe défectueux. Donc, الفعل المعتل هو ثلاثة أنواع. الفعل المثال, الفعل الأجوف, والفعل النقص. ولقد قمنا بدراسة الفعل المثال والفعل الأجوف في تسجيلات سابقة واليوم سندرس النوع الثالث من الفعل الناقص. Le verbe défectueux. Troisième forme. Alors, je vais d'abord rappeler la définition du verbe défectueux. Ensuite, donc, je prendrai un exemple de verbe qui constitue donc la troisième forme que nous allons conjuguer à Felmavi, à l'accompli, Felmudara, Al-Marfoua, Al-Mansoub, Al-Majzoum, Fel-Amr. Aussi, je donnerai le nom d'action, le participe actif, Ismul Fa'al, le participe passif, Ismul Maf'oul, et on termine avec la voix passive. Alors, je rappelle donc la définition. الفعل الناقص هو ما كان الحرف الثالث فيه ألفا أو ياء. Le verbe défectueux est celui dont la troisième radicale est un alif ou un ya. Alors, nous avons vu les deux premières formes, à savoir les verbes qui ressemblent au verbe da'a, donc da'a yad'ou, rame yarmi. Et aujourd'hui, nous allons voir donc la troisième forme, radiya yarda. Alors, on va commencer donc à le conjuguer à l'accompli, à l'inaccompli indicatif, à l'inaccompli accusatif et à l'inaccompli apocopé. Al-mudara' al-marfu' wal-mansub wal-majzum. Al-mutakallim al-mufrad, ana, radiitu. Al-mudara' al-marfu' wal-mansub, arda. Al-mudara' al-majzum, arda. Donc ici, il y a une suppression de la lettre faible. Mutakallim jama, donc ravina. المضارع المرفوع والمنصوب نرضى المضارع المرزوم نرضى. On passe au مخاطب مفرد أنت رضيت في الماضي المضارع المرفوع والمنصوب ترضى والمضارع المرزوم ترضى. مخاطب مفرد أنت رضيتي المضارع المرفوع ترضينا المضارع المنصوب والمجزوم ترضي. Donc ici il y a la suppression du nun parce qu'elle fait partie, ce verbe fait partie donc des cinq verbes الأفعال الخمسة. Donc effectivement je vais juste faire un petit rappel ici, les marques de l'apocopée المضارع المجزوم donc sont d'abord la suppression des lettres faibles qui peuvent être donc elif alwa ou alia pour les verbes défectueux pour al-mu'tal al-akhar et la suppression également du noun pour les cinq verbes. Donc en fait, au niveau du verbe accusatif et de l'apocopé, on a pour les deux une suppression du noun pour les cinq verbes. On poursuit. Alors, mukhatib muthanna antuma radituma fil madi المرفوع ترضياني المضارع المنصوب والمجزوم ترضيان. دونك حذف النون. مخاطب جمع انتم رضيتم في الماضي المضارع المرفوع ترضون المضارع المنصوب والمجزوم ترضوا. مخاطب جمع انتن رضيتن في الماضي فالمضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم
tardaïna. Donc au fait, ici, il s'agit de l'inaccompli, que lorsqu'il est attaché avec le nun de féminin, il devient construit. Al mudhara idha tasalat bihi nun naswa yusbihu mabni la yataghayyaru abada. Alors là aussi, je fais un autre rappel, et ça concerne donc la marque de l'inaccompli accusatif. Pour les cinq verbes donc à l'inaccompli, c'est la suppression du nun. Et si le verbe est défectueux, se terminant par une voyelle longue, la marque de l'accusatif n'est pas apparente, puisqu'on voit elle est plus maqsoura, et donc la marque de ce verbe défectueux n'apparaît pas. Alors on poursuit avec al-ra'ib. Ra'ib mufrad huwa fil madi radiya al-mudari al-marfu' wal-mansub yarda al-mudari al-majzum yarda. Ra'iba mufrad radiyat hiya radiyat al-mudari al-marfu' wal-mansub tarda wal-mudari al-majzum tarda. Ra'ib muthanna هما رضيا الماضي المضارع المرفوع يرضياني المضارع المنصوب والمجزوم يرضيا تحذف النون. غائبة مثنى هما رضيتا في الماضي المضارع المرفوع ترضياني المضارع المنصوب والمجزوم ترضيا. غائب جمع هم رضوا في الماضي في المضارع المرفوع يرضون المضارع المنصوب والمجزوم يرضون. Donc ici, il ne faut pas oublier d'ajouter l'alif orthographique parce qu'on doit la rajouter pour ce verbe qui est à l'accusatif ou bien à l'apocopé. غائب جمع donc هن رضينا في الماضي المضارع المرفوع يرضينا المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم يرضينا. On passe donc au verbe à l'impératif. المخاطب مذكر في donc مفرد ارضى مؤنث ارضي مثنى donc que ce soit pour le masculin ou le féminin ارضيا. Le pluriel masculin irdaw, le pluriel féminin irdayna. Alors, al-mastar, donc le nom d'action de ce verbe, c'est ridan. Alors, parfois, on peut trouver aussi une dhamma sur la première lettre. Donc, on peut trouver soit ridan, soit rudan. Il veut dire consentement. Le participe actif ismul fa'al, c'est radin pour le masculin, radia pour le féminin. Le participe passif pour le masculin, mardiyun, pour le féminin, mardiyatun, satisfaisant. On passe à la voix passive, al-fi'lu al-majhoul. Fil madi, rudia a été accepté. Fil mudara, yurza est accepté. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Shukran ala al-mushahada wa ila al-liqa.